On y est donc, 30 ans après le 3, Axel Foley fait donc son retour, non pas au cinéma, mais sur Netflix, avec un trailer qui fait plutôt peur. Quel intérêt donc de revenir pour Eddie Murphy donc dans ce quatrième opus du flic de Beverly Hills, hein, maintes et maintes fois repoussé depuis maintenant plusieurs années, cette fois c'est la bonne, et notre flic de Détroit préféré revient donc foutre une fois de plus le bordel. We put our lives on the line. Every day. And for what? Comes with the job if you're doing it right. Sans surprise, hein, donc dans ce trailer, le cahier des charges est entièrement respecté puisque tout y a été mis. La musique fétiche, le retour de Taggart et Rosewood qui depuis a dû s'enfiler quelques menus best-of chez Malto, et même le retour de Serge. Oui oui, Axel Foley ne sera donc pas seul pour ses nouvelles aventures. Axel. Dans ce quatrième épisode, il devra donc faire équipe avec sa fille afin de résoudre un complot. Une histoire qui sent un petit peu quand même le réchauffer et qui, au vu de ces quelques scènes donc diffusées par la plateforme, ne semble pas forcément rassurer le public. So how many people have you pissed off so far? I haven't pissed off anybody. Yeah, 50-50. 50-50. Is it that high? So far. Wow. Quoi qu'il en soit, ça sortira donc cet été, et n'hésitez pas dans les commentaires à dire si oui ou non vous attendez ce film, ou si au contraire vous en avez rien à battre, que cet énième revival de saga culte des années 80 est tout simplement has-been.